Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter la petite mini Happy Cut d'Artemio. Donc c'est une petite machine de découpe, donc du coup forcément vous êtes livré avec la machine. Vous avez une petite notice et vous avez une plaque transparente, une plaque noire, un tapis en caoutchouc et une autre plaque transparente. Alors, la machine, donc elle est toute petite. Pourquoi c'est pratique? Alors moi, j'ai une grande Big Shot, mais c'est très grand. Et du coup, comme j'ai un petit espace, à chaque fois, je dois me retourner, enfin, je dois me lever et tout pour faire ma découpe. C'est chiant. On va pas se le cacher, c'est chiant. Celle-ci, et en plus, principalement, mes découpes sont relativement petites. Donc, cette petite machine va être très pratique. Elle va pouvoir rester sur mon bureau. Donc ça, c'est cool. Ou même la ranger autre part et quand je scrape, directement la sortir. Comme ça, je sais que je l'ai à portée de main. Donc, elle est blanche et bleue. Bleu mint. Enfin, un peu la couleur de chez One Memory Keepers. Donc, la couleur est très sympa. Le petit truc qui est sympa aussi, c'est que vous avez ici un cadenas qui va vous permettre de le ventouser sur votre surface de travail. Et en fait, du coup, une fois que c'est posé, ça bouge plus du tout. Vraiment plus. Donc ça, c'est cool. Et après, voilà, ça s'en va très facilement. Donc, vous avez donc ces trois plaques et on va dire une plaque en caoutchouc. Donc cette plaque en caoutchouc va vous servir pour embosser. Cette plaque-ci pour... alors si je dis pas de bêtises... Oui, c'est pour couper. Quand vous allez couper votre dies, vous prenez la transparente et la noire. Faut que je vérifie après. Attendez, parce que j'ai un doute. Oui, c'est ça. Parce que dans... Du coup, je l'ai lu parce que je ne comprenais pas pourquoi on avait autant de plaques. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et celle-ci, vous prendrez les deux transparentes quand vous souhaiterez embosser. Mais embosser les plaques... Attendez, je vais vous en montrer une. Voilà, donc vous prendrez les deux transparentes quand vous vous servirez de ces plaques-ci. Moi, personnellement, je n'ai pas de petites plaques à embosser. Vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup trop grande. Il en existe des beaucoup plus fines. Donc, en fait, du coup, comme je n'en ai pas, je ne sais pas si j'investirai dans des toutes petites plaques à embosser, ce qui va me permettre d'avoir une plaque de rechange pour mes découpes. Donc, la taille, elle est pas très grande, mais par rapport au dies que j'ai, moi, c'est parfait. Donc, les plaques font 7,5 par 16,3 à peu près. Et donc, par exemple, les dies que vous pourrez mettre dedans, voilà, c'est ce style-là, c'est pas très grand. Et bah, c'est juste parfait pour ce qu'on souhaite faire. Et même celui-ci, il passe. Et donc, ça, je trouve ça juste cool. Donc, on va prendre le plus grand du coup que j'ai. Et j'ai pas préparé de papier. Ben non. Donc, moi, quand je coupe, je mets en fait mon papier ici. Et ensuite, je vais mettre mon dies face coupante contre le papier. Comme ça. Je vais chercher du papier. Alors, j'ai pris une chute de la collection Blossom. Parce que, bah, en fait, ça rentre juste pile poil. Donc, on met comme ça. Alors, attendez, parce qu'il dépasse un petit peu. Je veux juste voir si ça passe, même si... Non, il faut que je découpe un petit peu. Alors, on va découper. Mais c'est vraiment un chouïa. Donc, hop, donc on met notre dies dessus. Voilà. Hop. On met notre sandwich. Et c'est là qu'on va avoir mal aux fesses parce que ça va en fait tout de suite la marquer. Et bon,
Ça fait toujours mal quand c'est neuf, mais c'est la loi des machines de découpe. Hein. On met dans le sandwich. Donc les craquements que vous allez entendre, c'est normal, s'il y en a. Youp là! J'ai été trop loin, je ne l'ai pas retenu. Hop! Et donc, alors du coup, celle-ci, elle est nickel. J'ai ma découpe, donc j'ai passé juste une fois. Franchement, les dice de chez Artemis sont top. Donc j'ai ma petite découpe. Et du coup, j'ai ça. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, voilà. Donc ça, malheureusement, on peut rien y faire. Je vois beaucoup de commentaires sur des forums ou quoi que ce soit sur Facebook qui posent tout de suite la question, j'ai fait ça, est-ce que c'est normal? Donc oui, c'est complètement normal. Vu qu'on a découpé, bah, on a les traces du dice. Puis après, là, limite, ça fait encore joli, hein, parce que j'ai fait un très beau dice, mais après, ça va ressembler à rien. Mais, et aussi, du coup, faites attention, parce que moi, je me suis fait avoir la toute première fois quand j'ai eu ma grosse machine à découpe. Je faisais pas forcément attention dans quel sens je mettais mon papier, je pouvais poser mon dice comme ci, et je venais mettre mon papier comme ça, ce qui fait que ça, bah du coup, ça se découpait. Alors ça découpait quand même, hein, c'était pas le problème. Mais du coup, mes plaques là se sont vite usées, mais en très peu de temps, et à un moment ça a cassé. Donc faites vraiment attention de toujours découper sur votre plaque qui est fait pour, et ensuite de passer dans la machine. Donc voilà. Moi je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que elle est petite, mais on a quand même pas mal de place comparé à d'autres marques, et ça je trouve que c'est pas mal, et voilà quoi. Après je sais pas si je pourrais encore plus grand. Ouais, c'est vraiment limite un tout petit peu plus grand, mais sans abuser quoi, parce qu'après après je pourrais le maintenir avec un petit scotch ou quoi pour la maintenir, mais voilà. Donc moi après, donc cette plaque ci je ne vais pas l'utiliser, tout simplement parce que je n'ai pas de dice qui embosse actuellement. Donc voilà, tout simplement. Et puis bah voilà, la présentation elle est terminée. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, ça y a pas de problème. Mais quand on débute, moi personnellement, quand j'ai eu ma première machine, c'est ma mère qui a dû m'expliquer comment on mettait et tout. Parce que dans les plus grandes, bah, on a plusieurs couches, est-ce qu'il faut laisser, machin et tout. Donc voilà, une petite explication, ça fait du bien aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc bah voilà, hein. Je suis super ravie. Et elle est au prix de 49,95€, je crois. Enfin, c'est un tout petit peu en dessous de 50€. Mais du coup, elle n'est pas très lourde, ça va encore. Mais voilà. Elle a une belle petite gueule, on va dire. Donc voilà, la vidéo explication est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.